Une mangouste orange avec des lunettes noires apparaît. Mangonix Access. Manga et comics accessibles aux déficients visuels et aux empêchés de lire. Let's play à l'aveugle. Mortal Kombat, mode histoire. Épisode 4. Et salut à tous les amis, c'est Loïc, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre Let's Play à l'aveugle sur Mortal Kombat 1, le mode histoire sur PlayStation 5. J'espère que vous avez bien profité des 3 premiers épisodes. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, mais avant toute chose, je tiens comme d'habitude à préciser que je tourne toujours cette aventure dans le cadre de notre association Mangomix Access, dont le principal but est de rendre accessibles les mangas et les comics aux personnes déficientes visuelles ou dans l'impossibilité de lire les tomes originaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux bafouilles de début d'épisode, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, par mail à contact@mangomix-access.fr ou à visiter notre site web mangomix-access.fr. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans le jeu la dernière fois avec cette musique épique de l'amour qui s'excite et qui va peut-être complètement masquer ma voix? Nous verrons bien au mixage. Cécile, je pense à toi. Alors, la dernière fois, on avait pu mener à bien le tournoi, le fameux Mortal Kombat en incarnant Raiden. Souvenez-vous, on avait triomphé, on avait gagné le tournoi, le Royaume Terre avait gagné. Et donc, du coup, on était censé être tranquille pour un siècle vu qu'on a gagné le Mortal Kombat. Manque de bol, on a appris que Shang Tsung allait foutre le dawa, il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup, Liu Kang nous avait envoyé dans l'outre-monde Johnny Cage, Kenshi, et je crois que c'est tout. Oui, on était bien en duo. Envoyé dans l'outre-monde avec un talisman qui allait nous permettre de trouver le laboratoire secret de Shang Tsung. Enfin, trouver Shang Tsung, et en l'occurrence son laboratoire secret. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé, on a réussi à pénétrer le laboratoire, etc. Il y a eu 2-3 petits combats sympas. Avant ça, ben pour trouver le laboratoire, on avait fait la connaissance de Baraka, qui, après une entente très cordiale, n'est-ce pas, avait accepté de nous aider. Et on avait été fait prisonnier, souvenez-vous, à la fin de l'épisode, dans ce laboratoire de Shang Tsung. Et on avait rencontré un personnage fort sympathique dont la famille avait été capturée et qui du coup bah, était à la botte, bien malgré lui, de Shang Tsung. Et il s'agissait de Reptile. Voilà les amis pour le petit récap. Donc bah écoutez, on va se lancer. J'appuie sur croix et je vous laisse profiter. A tout de suite pour le premier combat. Il n'y a rien de plus cruel. Je crois que tu as parlé trop vite, Baraka. Fight. J'étais pas prêt. Mais c'est quoi ça? Mais hop. Mais moi je m'attendais à une cinématique de la mort, pas un combat d'entrée de jeu. Aïe. Allez, y'a... hop. Ça doit toucher. Ah bah oui, non mais c'est pas moi que ça va toucher. Aïe. Allez. Ça c'est bon ça. Ça touche. Ça aussi. Oh la vache. Mais moi il fallait que je remette en route mon micro. Tiens. Allez. Oula. Brutality. Bah, yeah. Tu es une vision déplaisante de mon avenir. Ben oui. Allez, cause. Eh bien, on y va. Oula, ça fait mal, ça. Aïe. Mais... quel début d'épisode, les amis! Allez, ça touche! Non! Pas moi! Ennemi, tu vois, voilà! Allez, coup de tatane! Allez! Coup de tatane! Ya! Allez! Non! Ah,
là. Ah bah on est tout de suite dans le bain. Pas de repos pour les braves. Allez. Ah bah 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 bah. Voilà. Touche. Aïe. Ah là 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 là. Oh là là, c'est moche. Où c'est. Où est-ce qui m'arrive est très moche en ce début d'épisode. Oh là là, je me fais enchaîner. Je me fais enchaîner. Ça suffit, assez de distraction. Qu'avez-vous fait? À cause de vous, Shang Tsung va me punir en torturant ma famille. Tu vas payer pour leur souffrance, Dark Atom. Fight! Ah mais non! Mais moi je voulais juste faire le bien! Oh, mais non, reptile! Je suis désolé, moi! Ah là là là! Oui! Oui! Allez! Allez, il faut que ça touche! Il faut que ça touche! Il est où? Voilà! Charal, allez! Allez, ya! Allez! Alors, oh, bop, 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 bop. Voilà! Meurs! Me mais si, tu vas me laisser faire! Hop! Là, là. Et voilà, combo! Allez! Allez, tout le monde s'adore! Allez, voilà! T'en as pas assez encore? Tiens! Allez! Voilà! Oh, oh. Allez! Oh, bah, 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 bah. Oh, bah, 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 bah. Voilà. Allez, ça touche, ça touche, ça touche. Bouya. Bouya. On peut y aller. Alors tue-moi. Si je meurs, il épargnera peut-être ma famille. Non. Je ne suis pas un meurtrier. C'est ta compassion que j'implore. Même si je n'ai rien fait pour la mériter. Tu protégeais ta famille. J'en aurais fait autant à ta place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Saïsat, imbécile! Tu les as laissés tous saccagés! Nous partons, sorcier! Et on t'emmène avec nous. Liu Kang a deux mots à te dire. Vous ne m'aurez pas si facilement. Hendrik, Mayaki! Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. Je vous dis adieu, messieurs. Souris, Saïsat. Tu vas revoir ta petite famille. Ils sont morts! Vous les avez tués! Il y a bien longtemps. Tu sais, je ne laisse rien au hasard. Il faut qu'on se tire d'ici. Un problème? La porte a dû être scellée quand le gaz a été répandu. Écarte-toi. Test your might. Selection du chapitre. Touche croy confirmer. Alors, je mets une petite pause rapide pour vous expliquer le test sur Might, parce que sinon on va se faire dégommer savamment. Alors, en fait, là, l'idée, c'est qu'il faut faire preuve de force pour pouvoir dégommer la porte comme il faut. Alors, pour ça, en fait, c'est une forme de QTE. Alors, la première fois, j'ai eu du mal à le comprendre, hein, les amis. Mais, en fait, là, ce qu'il va falloir faire, ça va être spammer les touches croix et carré. On va entendre que ça va monter. Alors, je ne sais pas visuellement s'il y a une jauge ou quelque chose qui monte. En tout cas, vous allez entendre un bruitage zzz, que ça va monter. Et du coup, bah, au bon moment, il va falloir que j'appuie sur R2 pour... comment dirais-je, faire ça avec amour. Hein, vous allez voir. On y va? C'est parti. Là, je spam. Tite. Et là... R2. Encore. Je spam. Allez, 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 allez. Et là, R2. Encore une fois. Je spam, donc croix et carré. C'est bien foutu, hein.
et R2. Suivez-moi. Par ici. Laissez-moi. Je ne ferai que vous ralentir. Tu rigoles? Si Shang Tsung te trouve, t'es mort. Regarde-moi, Cage. Je suis un poids. Ne risquez pas vos vies pour sauver la mienne. Hé, hey, je t'interdis de baisser les bras. Les Taira ont besoin de toi. Tu te souviens? Donc, on va rentrer chez nous et trouver un moyen de te soigner. Ok? Faisons vite. Ou nous serons capturés. On a besoin d'aide pour amener Kenshi au portail de Sundo. Je ne peux vous conduire qu'aux portes de la ville. Les Darkatan n'ont pas le droit d'entrer. Et ensuite, je vous accompagnerai. C'est le moins que je puisse faire pour me racheter. Merde. Oh, c'est dingue, on se croirait dans Planète Cruelle. Il y avait une forêt dans la deuxième scène et... Ah, la Manticore. Ouais. Le tournage était galère, mais la vache, qu'est-ce que le résultat claque! Ouais, je vois très bien la scène. Voici la forêt vivante. Mais toutes les forêts sont vivantes, non? Dans les autres forêts, les arbres n'abritent pas les âmes des défunts. Attends une seconde. Tu parles de fantômes? Oui, des fantômes bienveillants. Et vous connaissez des gens ici? Oui, quelques parents éloignés. Il n'y a aucun Zateran. Pourquoi? Parce que les sangs chauds nous rejettent. Alors nous restons entre nous. Nous vivons sous terre dans la province de Zikandur. Alors comment as-tu rencontré Shang Tsung? Ma capacité à prendre forme humaine était mal vue par mon peuple. J'ai été harcelé et puis chassé. Affamé et sans le sou, j'ai rejoint un cirque itinérant. Beaucoup de gens étaient prêts à payer pour me voir utiliser mon don. À l'époque, Shang Tsung n'était qu'un charlatan. Il a croisé ma route et il a vu de quoi j'étais capable. Quand il a commencé à pratiquer la vraie sorcellerie, il a demandé à m'étudier. Devant mon refus, il a pris ma famille en otage. Ah oui, ça c'est une offre qu'on peut pas refuser. Il est dangereux. Et il a de nombreux projets. Avec Rain et le général Shao, ils conspirent ensemble. Dans quel but? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pu entendre que des bribes. Démons envoyés par Quan Chi. Attends, nous ne sommes pas... Chacun de vos semblables abattus me rapproche de l'absolution. Faire couler votre sang me rapproche de la lumière. Mais ça, c'est de la bienveillance, voyons! C'est la bienveillance à l'état pur! Allez, Baraka! Allez! Yeah. Sympa, hein, l'histoire de reptile. Hein. Je trouve vraiment, elle est... vraiment bien trouvée, je trouve, encore une fois. Au niveau scénar, ce Mortal Kombat, il est vraiment top. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, le découvrant. Aïe! Tiens! Allez! Alex, la touche! Et pas moi! Il faut que ça la touche L! Voilà! Voilà! Allez! Encore! Et triangle! Voilà! Tatane! Hop là! Voilà! Et boum! Voilà! Me tuer n'absoudra pas ce péché. Et c'est parti. Round 2. Aïe. Je suis mal barré. Voilà. Allez, tatane. Tatane. Allez. Bouya. Voilà. Ça c'est bien. Hop là. Oh, Charal. Voilà. Allez, gros poutou d'amour. Non, mais... Hop là, je... Voilà.
laisse-moi tranquille. Je vais te renvoyer une brutalité. Je peux ou pas? Oui. D'ailleurs, toutes mes excuses pour les fans, hein. J'avais appelé ça les fatalities et les brutalities si je me trompe pas. Fatality, c'est le finishing. J'ignore qui tu es, mais nous ne sommes pas des démons. Si vous n'êtes pas des démons, alors qu'êtes-vous? Lui est Zateran, et moi est Démien. Ou du moins je l'étais avant d'avoir la peste Tarkatan. De l'outre-monde. Veuillez m'excuser. Dans ce cas, je suis heureuse de ne pas vous avoir blessé. C'est quoi cette odeur? Oh, mais tais-toi et nage. Alors, qui est cette femme fatale? Je suis Ashra, démone du royaume du Nether. Une démone? Et t'as l'air bien humaine. Enfin, à peu près. Et c'est quoi ce Nether? Les moines nous ont expliqué tout ça. Tu dormais pendant les cours ou quoi? Bah, pendant celui-là, sûrement. Le Nether, c'est vraiment l'enfer. Sans blague. J'ai l'air quasiment humaine, car j'ai presque entièrement purgé mon âme du mal. Et quand ce sera fait, alors les ultimes vestiges de ma forme démoniaque s'effaceront. Pourquoi les démons te poursuivent-ils? Ils ont été envoyés par Quan Chi, mon ancien maître. J'étais membre de sa sororité de l'ombre. Il voulait, et il veut toujours, régner sur tous les royaumes. Je l'ai désavoué quand je me suis senti incapable de les profaner ainsi. Et maintenant, il veut ta mort. Exactement. J'ai suivi Quan Chi depuis le royaume du Nether. Il est en train de construire des machines siphonnant les âmes à grande échelle. Et maintenant, il exécute son premier test sur les morts de cette forêt. Mais pourquoi voler des âmes, Ashra? Pour exploiter leur pouvoir. À quelle fin, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il soutient les plans d'un autre sorcier. Shang Tsung. Bordel. Il est partout, ce mec. T'es sûr que Quan Chi est ici? Mon Chris le détecte. Il n'est pas très loin. Non, non. Il faut qu'on te ramène. Alors, nous avons une mission. Quan Chi peut nous mener à Shang Tsung. Votre Liu Kang a raison. Shang Tsung est une menace à éliminer. Et je vous y aiderai. Moi aussi. Oh, bon, bah, si tout le monde est pour, vive la démocratie. Ashra, après toi, je t'en prie. Quan Chi est tout proche. Ses émanations maléfiques s'intensifient. Mon arme est d'une grande puissance. C'est ma plus fidèle alliée. Quand je pourfends le mal qu'elle détecte, mon âme se purifie davantage. Ah, le développement personnel, moi je kiffe. Mais depuis quand les démons veulent devenir moins méchants? J'ai passé une éternité prisonnière du Nether. J'ai toujours cru qu'il n'existait rien d'autre que cela. Puis j'ai découvert le royaume Terre et l'outre-monde. J'ai compris qu'une vie meilleure existait. Et que pour y prétendre, il me fallait purifier mon âme. Mon revirement a rendu mes sœurs démones folles de rage. Kia et Jataka ont été les premières à me chasser. Quan Chi est aussi un démon? En fait, il vient de l'outre-monde. Mais sa maîtrise de la magie noire lui permet de se rendre à volonté dans mon royaume. Et pourquoi il s'est associé à Shang Tsung? Tous deux ont la même bienfaitrice. Elle les a extraits de l'anonymat, et elle leur a tout appris. Je ne l'ai jamais vu, mais nul doute qu'il s'agit d'une sorcière au talent inégalé. Quan Chi est proche. Pour vos contributions. Excellent, Nidara. La tienne à présent.
Darius et moi avons réfléchi, sorcier. Il n'est pas question de négocier avec. Il nous faut une preuve de votre bonne foi. Ça ne te suffit donc pas qu'il ait tenu parole pour les Véterniens de Nitara? Elle a raison. Grâce à la magie de Quan Chi, mon peuple n'est plus vulnérable, Soleil. Nous sommes enfin libérés des ombres. N'aie crainte. Les sorts que je t'enseignerai causeront la perte du gouvernement du Royaume de l'Ordre. Et on les apprendra quand, Quan Chi? Après l'invasion du Royaume Terre. Qui risque d'être compromise si l'efficacité du voleur d'âme n'est pas indiscutable? Terre est en danger. Un seul voleur d'âme peut faire des centaines de milliers de victimes. S'il en active toute une batterie... Des millions périront. Il faut l'arrêter. Je m'occupe de Quan Chi. Vous quatre, neutralisez les autres. Hop, 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 mon grand. Toi, c'est ici que tu t'arrêtes. Tu l'as entendu? Des millions de morts. Ben ouais, justement, c'est pas le moment de nous traîner dans les pattes. Bon, allez, donne-moi ton épée. Pourquoi? Ah, discute pas. Quoi? Je peux pas. Pas avec... Écoute, tu m'as sauvé. Elle reste à toi. Maintenant, on dirait que tu as trouvé des alliés. Nous sommes unis contre toi, sorcier. Tu ne voleras aucune de ces âmes. Enchantée. Elle a été forgée pour détruire le mal, et a tué nombre de tes semblables vampires. Nous sommes qui nous sommes. Boire du sang ne fait pas de nous des monstres. Vous en dites quoi de cette mise en scène, les amis? C'est chouette, hein? Allez! Vous attendiez à ça, dame? Mortal Kombat! Allez! L'histoire d'Ashra, je trouve qu'elle est bien écrite, encore une fois. Et Johnny Cage, masterclass pour Johnny Cage. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu la scène entre Johnny et... Aïe. Et Kenshi, là, j'étais vraiment ému. Je trouve qu'ils arrivent à véhiculer des émotions dans les cinématiques. Ça va toucher ou pas? Ah oui, non, mais c'est moi que ça touche. Ah là, ça c'est bon. Allez, encore. Fatality, tu peux ou pas? Fatality? Non. Ok. Il faut faire beaucoup mieux. Eh oui. Je veux que je fasse mieux. Ah tiens, c'est mieux ça. Allez. Voilà. Allez, ça touche encore là. Hop là. Oh yai. Oh bouya 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 bouya. Aïe. Non. Allez. Allez, gros poutou d'amour partout! Allez! Encore? Aïe! 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 Ça va pas se passer comme ça! Et voilà! J'ai fait un pas de plus vers la rédemption. Kusima de Tom!
arrêtons cette sorcellerie. Nous sommes Ermac, un amalgame d'armes lié par la magie de Quan Chi. Nous vivons pour obéir à ses ordres. Tue-les. Pour que je libère le royaume de l'ordre. Il n'est pas question qu'il échoue. Sacrifier un royaume pour en libérer un autre est un odieux compromis. Je ne te laisserai pas faire ça. T'as bien raison, fight! Allez! Allez, on y va! Alors c'est qui le pire d'après vous? Shang Tsung ou Quan Chi avec sa magie là? Aïe! Pas ces attaques là. Ah, les bruitages ils sont bons hein, mais aïe! Aïe, j'aime pas. Et Ermac, à mon sens, fait partie des, vraiment, des ennemis les plus chauds à vaincre. Allez. Ashra, t'es mal barré. Ça touche. Et mince. Eh ben, il nous fait ça brutal. On n'est pas mort. Allez. Non. Eh mince. Eh mince. Eh dommage. Personne ne m'arrêtera. Moi non plus. Allez, ce sera peut-être le premier fail de l'épisode, ou pas les amis. On va essayer de l'avoir quand même. Aïe. Bon, il a fait sa brutality au premier round. On fera la nôtre s'il y a besoin. Aïe. Quand ils attaquent. Quand ils nous chopent, c'est mort quoi. Allez. Allez, 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 allez. Enchaîne. Ouh, c'est bon ça. Il nous a presque envoyé côté derrière, mais... Aïe. Aïe. Double aïe. Oh purée les amis. Voilà. Le fait que tu aides Quan Chi en dit long sur toi. Allez, dernière round. Allez, on a encore notre brutality si on veut. J'espère que j'utilise le bon terme quand je parle de brutality. Moi qui vous ai sorti fatality dans les épisodes suivants. Mais non mais... Attraque-moi ça. Allez. Aïe. Allez. Voilà. Voilà. Encore. Allez, aligne-moi ça. Et merde. Et merde. Voilà, ça, ça touche. Ça aussi. Brutality. Je peux pas. Non. Allez, c'est bon. Va semer ton chaos ailleurs. Je me suis toujours méfié de toi, Ashra. Tu n'es pas docile comme tes sœurs. Et elles ont péri par ma main en me pourchassant sur ton ordre. Je ne te le pardonnerai jamais, Quan Chi. Et pas de répit pour les braves, on se tape Quan Chi. Allez, c'est parti. Allez. Waya. Allez. Touche-le. Allez. Ah non. Voilà, ça c'est bon ça. Allez, voilà. Et bouya. Allez, ça touche. Touche. Non, touche, j'ai dit. Aïe. Allez. Ça, ça rentre. Voilà. Allez, Ashra. Allez, non. Oh, purée. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Allez. Voilà. Et tatane. Ça devait arriver un jour ou l'autre, sorcier. Allez, round two. Fight.
c'est bon ça. Allez encore. Allez, voilà. Ah, hop, 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 hop. Il est où, pardon. Allez, hop, 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 ça fait mal, ça. Stan, voilà, et ça... Non. Non, je veux que ça touche, moi. Il est où? Voilà, il était de l'autre côté. Ok, combo. Shoot-le. Oh la vache, mais il arrive à... Voilà. Non. Tu vas me foutre la paix. Brutal ou pas? Non. Aïe. Oh mince. Résiste si tu le souhaites. Mais bientôt tu rejoins. Tu parles trop. Oui, tu m'as mis un rentre dans la tronche, mais c'est bon. Allez. Voilà. Bah ouais. C'est bon, t'arrêtes là de parler. Allez, bouilla. Allez, bouilla encore. Allez, voilà. Tu m'as énervé. Aïe. Allez. Et voilà. Quand j'en aurai fini ici, j'en finirai avec toi. Je ne peux pas les laisser. Possède son pouvoir. Ça, c'était inattendu. Je te le fais pas dire. Bon, on finit le travail? Avec joie. Le combat n'est pas fini. Je vaincrai un à un tous les laquais de Quan Chi. Nous sommes nombreux. Tu es seul. Nous te détruirons. Ouais! C'est ce qu'on va voir. Allez, voilà. Voilà, allez Ashra. Ouvre là. Waya. Oh, ça c'était bon ça. Là. Voilà. Et ça c'est du bon ça, c'est de la bonne viande. Allez encore. Aïe 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 aïe. Ah oui non mais une fois qu'il touche par contre t'es mort. Oh bah 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 bah. Là, allez, encore, non, allez, bouya, voilà, allez, un petit steak pour ce soir, allez, non, c'est toi, tu parles trop, ils parlent trop les ennemis, hein, vous trouvez pas? Fais pas trop le malin, Loïc. Fais pas trop le malin. Non. Allez. Faut être au taquet. Voilà. Aïe.
Aïe! Brutality! Je pouvais, non? Ouais! Yo! Allez! Composé d'âme, tu n'en as pas. Ah bah ils peuvent tourner pour un troisième round. Ça sera peut-être le fail de l'épisode, les amis. Je pensais que je l'avais achevé avec ma grosse attaque. Que... Allez, frappe-moi ça. Tape dans la viande. Allez, Ashra. Si on pouvait faire un épisode de One Shot. Voilà. Aïe. Aïe. Bon, Chobo, il est mort, là. Yeah. La résistance n'est jamais futile. Nous sommes nombreux. Tu es seul. Nous te détruirons. C'est quoi son problème? Je pense que le combat doit avoir érodé la magie qui enchaîne ses âmes. Sindel, je te retrouverai. Qu'est-ce qui se passe? Surveille-le. Je vais détruire le voleur d'âme. Puisque ça ne t'a pas tué, je vais le faire. Non, Ashra. Il est trop dangereux pour être épargné. Liu Kang doit l'interroger. Il connaît les plans de Shang Tsung. Très bien. Eh ben, j'avais vraiment fait une affaire avec Sento. Tu savais qu'elle pouvait faire ça? Les légendes ne mentionnent aucun pouvoir mystique. Elles renferment les âmes de mes ancêtres. Leur but est de me guider. Ouais, oublie quand même pas qui te l'a donné, Takahashi. Ça, aucun risque. Maintenant, emmenons-le au royaume Terre. Je sais que ton foyer est ici, Baraka. Mais Saizot, Ashra, vous pouvez nous accompagner? Je suis sûr que Liu Kang saura vous accueillir. Je n'ai jamais eu de foyer. Ce serait merveilleux. Quelles sont les nouvelles, Shang Tsung? L'assemblage des voleurs d'âmes a débuté. Quan Chi procède au dernier test en ce moment même. Et pour l'armée? Elle vous obéira au doigt et à l'œil, une fois alimentée par suffisamment d'âmes. J'ai aussi fomenté un plan pour diviser les Lin Kuei et Liu Kang. Au lieu de défendre le royaume Terre, ils le trahiront. Excellent. Vous vous êtes montré un excellent disciple, Shang Tsung. Bientôt, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Yeah.
Alors, qui sont ces terriens que nous cherchons? Tu as leur description. Dites-moi au moins ce qu'ils font là. Ce qu'ils ont fait. Secret d'État. Tout cela te dépasse. Qu'y a-t-il, princesse? Apporte-nous à boire, veux-tu? À vos ordres. Prudence, ma sœur. Les liaisons avec les Umgadi sont prohibées. Leurs vœux sont stricts. Qui te l'a dit? Personne. J'ai des yeux, tu sais. Tout comme les vipères de la cour qui applaudiraient ta disgrâce. Oh, les règles des Umgadi sont absurdes. Tu les changeras quand tu seras impératrice. Pour l'instant, tu ne dois pas mettre en péril ton ascension. Bonne nuit, doux prince des ténèbres. Oh, parfait. Vous êtes indétectable. Il n'y avait pas de couvre-chef plus pratique. Bah quoi? Il cache ton visage. Et franchement, ça te va bien. Je ne suis toujours pas convaincu. On va finir par se faire remarquer à le trimballer comme ça. Regarde autour de toi. On se croirait au carnaval. Ah, les gens penseront qu'il a trop fait la fête. Et maintenant? Allez vers la Seine. Et ensuite, à droite, vers le portail. Mais il y a des soldats et des prévôts partout. Tu crois vraiment que ça suffira? Si une personne nous repère, nous serons tous morts. C'est pourquoi je m'occuperai de faire diversion. Toi aussi, ils te cherchent, Saïzot. Pour me prendre, il faudra qu'ils me prennent. Wouah! Tu m'avais pas dit que t'étais un vrai prédateur. Bien joué, Saizot. Venez, princesse, lâche-moi. Je n'irai nulle part. Éteignez ces feux. Trouvez les coupables. Ça suffit, général. C'est mon problème, pas celui de l'armée. Regardez. Saïzot. Vous le connaissez? Qui est-ce? Peu importe. Mais s'il est là, les terriens le sont aussi. Reiko. Moi, j'y vais. Terran. Comment peux-tu? Tu ignores bien des choses, comme les véritables desseins du général. Si tu te rends, je t'écouterai. Mais tu dois cesser de résister. Si tu m'arrêtes, il me fera exécuter. Et je n'ai pas l'intention de mourir comme ça. Fight. Allez, fight! Pour le dernier combat de cet épisode, les amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Franchement, la mise en scène, n'hésitez pas à me donner vos commentaires.
sur la mise en scène de ce MK1. Je trouve que tout cet arc là avec Ashra était vraiment d'une très haute qualité. On s'ennuie vraiment pas entre les combats qui sont hyper dynamiques et les cinématiques qui nous font vraiment voyager, je trouve. C'est dépaysant malgré qu'on est dans un jeu de combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Allez, ça y saute. Voilà. Je n'ai rien contre toi. Laisse-moi passer. Round 2. J'espère que cet épisode 4 en tout cas vous aura plu les amis. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Aïe. Comme d'hab, ça me fera toujours extrêmement plaisir, toujours la petite récompense. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux associatifs, hein. Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, comme je l'ai dit en début d'épisode. Et si vous voulez rejoindre l'aventure Démon Boost, n'hésitez pas, on ne mord pas, on vous accueillera avec énormément de plaisir au sein de notre petite équipe de passionnés. Ciao, bye bye. Sache que je regrette d'avoir troublé l'ordre de Sundo. Likez, partagez et commentez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur votre réseau social préféré, afin de découvrir nos prochaines vidéos de sensibilisation et de let's play à l'aveugle. Vous pouvez retrouver notre catalogue de mangas et comics accessibles gratuitement, pour tous les empêcher de lire sur mangomicsaccess.fr. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de Super Mangoust pour retranscrire ou narrer votre manga ou comics préféré, contactez-nous par mail à contact@mangomics-access.fr. À très bientôt pour de prochaines vidéos.